Tout va commencer en 1945 au Nord-Laos, où des officiers français vont constituer des maquis, avec l'aide des populations montagnardes, afin de combattre l'envahisseur japonais, qui met le pays en coupe réglée. Dans le même temps, au Nord-Tonkin, un chef, Cho Kuan Lo, dit le borgne, soulève les peuples montagnards après la capitulation du Mikado pour contrecarrer les visées expansionnistes du Viet Minh. Ces maquis vont se multiplier jusqu'en 1954 à l'instigation d'officiers français et de chefs d'ethnie montagnarde qui vouent pour le Viet Minh une défiance viscérale. En effet, le Viet Minh a toujours considéré les minorités comme des sauvages, alors que l'administration française leur a toujours laissé une certaine autonomie, a éradiqué la piraterie et la famine, rétabli le commerce, et de ce fait, elle a permis le retour de la paix. C'est pourquoi les Méo, les Thaï, les Man, les Nung iront jusqu'au sacrifice. Cho Kuan Lo, le pirate, mais aussi Tobi Li Fung, le roi des Méo du Laos, Chai Sekam, Teo Van Long, président de la Fédération Thaï, Huang Chun Zim, Li Seonung, Seko Wan, Seko Tin, Bak Kam Kui et Bak Kam Suk, prince de Sanla, et bien d'autres chefs mettront en place des maquis, en mobilisant les populations hostiles aux Annamites avec l'aide du GCMA. Ces peuples vont constituer des maquis qui resteront fidèles jusqu'au-delà du possible et seront sacrifiés sur l'autel de la politique. Les enfants de ces maquisards combattent aujourd'hui encore pour leur survie face aux états totalitaires de leur pays. Les Méo n'ont pas une tradition écrite, ils ont une tradition orale, bien évidemment. Et quand on entend les vieilles légendes Méo, certaines font allusion aux origines du peuple Méo et évoquent un pays partagé entre le jour et la nuit pendant 6 mois de l'année. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, ces gens-là viendraient quasiment du cercle polaire. Vous voyez. Et l'histoire du peuple Méo, c'est en fait l'histoire d'une très très longue migration plein sud du cercle polaire, en direction de la Chine d'abord, et puis ensuite jusqu'au Vietnam. Ces peuplades Méo, en Chine, se sont heurtées aux troupes de l'empereur des Han, et ces Méo se sont très vite trouvés refoulés dans les régions les plus inhospitalières et dans les régions de montagne. Donc c'est un peuple qui, à la fois pour sa protection, sa survie, la préservation de son identité, c'est un peuple qui s'est très tôt incrusté dans la montagne, sur les sommets. C'est un peuple des sommets. Et leur principale subsistance, bien évidemment, était la culture du pavot. Les Méo ont toujours été de grands producteurs d'opium. Et ces Méo que les premières troupes françaises ont rencontrés, bien sûr, dans leur progression dans la haute région du Tonkin vers la frontière de Chine. Et c'est un peuple qui a marqué les officiers français, les premiers officiers français qui les ont contactés et qui ont établi les premières relations avec eux. Ces Méo se distinguent, je le disais, par leur esprit d'indépendance, leur rusticité, leur talent de chasseur. Ils sont capables de rester des heures à l'affût en se camouflant de manière parfaite. Et quand on parle de talent de chasseur, on en arrive rapidement, bien sûr, aux compétences dans le domaine de la guerre et de la guérilla, bien évidemment. Les
Les Français les appelaient Méo. Le terme vient du chinois Miao. Et dans le vocabulaire chinois, ce terme de Miao était plutôt péjoratif. Il désignait les tribus de la montagne, tribus un peu barbares, un peu en retard sur la civilisation chinoise, tribus dont on se méfiait, tribus toujours turbulentes. Les anciens d'Indochine continuent à utiliser le terme Méo, qu'ils ont connu. Et c'est par le terme Méo qu'ils avaient la connaissance et le contact avec ces populations. Et pour ces officiers, pour ces administrateurs aussi, car il y avait beaucoup d'administrateurs civils en Haute-Région, pour tous ces Français, l'expression Méo recouvre à la fois un certain attachement pour ces populations, je dirais même une certaine admiration pour toutes ces populations. Bien évidemment, maintenant on ne parle plus de Méo, on parle de Hmong. Le terme Hmong peut se traduire par homme libre. Le Hmong, c'est l'homme libre. Et on comprend qu'à travers ce terme de Hmong, tous ces descendants de ces partisans qui ont mené la résistance contre le Viet Minh, tous ces descendants soient attachés maintenant à cette appellation de Hmong par laquelle ils s'identifient et qui leur permet aussi de maintenir ce contact avec leur passé encore récent. Alors cette région, il faut en donner les limites géographiques quand même. Elle est délimitée à l'ouest par le fleuve Rouge, elle est délimitée au nord bien sûr par la frontière de Chine, elle est délimitée à l'est par la rivière Claire. C'est une zone extrêmement montagneuse avec des sommets qui culminent à environ 2500 mètres. Une succession de chaînes montagneuses un petit peu désordonnées, recouvertes de jungles, pas partout. La région de PACA est plus ouverte de ce point de vue. Une région extrêmement coupée, fragmentée, avec énormément de rivières, rivières la plupart du temps très encaissées, et une région, vous le comprenez, qui constitue un territoire parfait pour la guérilla, offrant à la fois des zones d'abri dans la jungle, offrant à la fois à celui qui veut y pénétrer un certain nombre d'obstacles à surmonter, que ce soit les chaînes de montagne, que ce soit les torrents, les rivières, que ce soit dans certains secteurs une jungle très difficilement pénétrable. Donc c'est la zone rêvée pour entretenir la guérilla. Et De Bazin, quand il va quitter la zone, aura mis en place justement tout ce système et aura préparé cette population à entreprendre la résistance par elle-même. Et on évalue en 1950, au départ des Français, à environ 1500 à 2000 guerriers armés prêts à s'opposer à toute intrusion du Viet Minh sur la zone. Il faut considérer plutôt que c'est un village et un groupe de villages dans ces pays-là. Ce n'est pas du tout un pays, il n'y a pas de nationalité. C'est une influence de race et de groupe même. Dans une race, il y a encore des groupes qui ne sont pas. Et Toubi avait un ennemi qui était le chef des Viet Minh. Ce n'est pas des Viet Minh, des soi-disant des Lao Issara, parce qu'il y avait beaucoup de. Il y avait des Lao Issara. Issara, c'était des gens qui voulaient la paix, mais dans un cercle laotien. Mais là-dedans, il y avait encore des princes du sud, des princes du nord. Et ce n'était pas l'unanimité. Il y avait un roi à Luang Prabang, puis à Seno, il y avait un autre prince. Toubi parlait français, je me disais bien, très bien français, il était bachelier. Il y avait une élite au Laos, aussi bien là-haut que Hmong, et qui, ben, mon Dieu, s'était attaché à la France, parce que la France n'était pas du tout, c'était dans mon pays, on était gentils, on était mignons.
on leur offrait beaucoup, c'est-à-dire la diversité, puis l'espoir d'un jour de devenir comme nous. C'est-à-dire qu'on était pour eux des gens qui les aidaient en tout, qui ont prospecté le pays dans la mesure où on leur faisait des routes en dur. Mais la mousson faisait que la route faite, elle était à recommencer, parce que c'était destructif, la mousson. C'est pas un pays où on peut tenir des routes ou même des... C'est-à-dire que c'est pas... On peut rien envisager de semblable en France. On peut pas expliquer la vie des mondes et puis notre vie à nous. Si nous avons toujours bien marché avec eux, c'est-à-dire la main dans la main, c'est parce que nous étions des défenseurs, des protecteurs. Le Japonais arrivait dans un village, il couchait avec les filles qui leur plaisaient, il emmenait le riz, il tuait le cochon, et puis il foutait le camp. Alors là, ça, c'était pas possible. Un méo, c'était un... Là, il devenait un guerrier, il pouvait pas sentir. Le Viet Minh faisait la même chose. Et encore pire, parce que eux, ils tuaient d'abord des femmes, des enfants, et puis ils disaient aux autres, maintenant vous allez nous suivre, on va faire la guerre contre les Français. Alors, ça, ce sont des arguments que nous n'étions pas capables, nous, on ne pouvait pas assurer un commandement dans cet état-là. Nous avons sauté donc au mois de fin mai, je crois. Et puis le soir, on nous a répartis dans un village, dans des cases. On était trois donc, on n'était pas ensemble du tout. Alors moi, j'ai été affecté dans une chef de village, elle m'a pris dans une maison, dans une case plutôt, c'est une case. Il y avait au rez-de-chaussée les cochons et les oies, et au premier étage, sur des lattes de bois, de bambou, il y avait la chambre qui servait à tout. Et alors quand je me suis vu avec mon gros sac là, en uniforme, face à tous ces types qui me regardaient, hommes et femmes, pas beaucoup de femmes parce qu'il est caché, mais tous ces hommes qui me regardaient comme ça, sans silence, vous voyez, accroupis, les bras, les jambes croisées, et je me suis posé la question de savoir si je devais dormir ou si je ne devais pas dormir. Parce que j'ai dit, si je dors, ils vont me couper les couilles. Parce que j'avais une fortune avec moi, avec tout mon armement, c'est-à-dire ma carabine, mon col, mon couple là, personnel américain, et puis tout un sac qui était plein de choses qu'ils devaient imaginer qu'il y avait de quoi quand même se rincer là-dedans. Alors j'ai dit, est-ce que tu dors ou tu vas veiller? Alors j'ai dit, je dors. Parce que demain, ça, pendant des mois, ça va être la même chose. Je ne vais pas me poser la même question toutes les nuits. Je vais dormir et puis demain, on verra bien. Si je ne vois pas, c'est que je serai au ciel. Et puis j'ai dormi tranquille avec des gens qui ne me connaissaient pas du tout, qui se demandaient ce que je faisais. Et puis qui n'étaient vraiment pas d'un aspect aimable. C'est très sérieux. Et alors, comme je me suis couché, c'est tout, je me mettais sur mon sac, je n'aurais même pas dit au revoir, mais une bonne nuit, parce que je ne parlais pas leur langue. Et voilà, c'est une impression. C'est-à-dire que... Et mais après, je ne me suis plus posé de questions, je dormais, puis c'est tout, dans la journée ou la nuit, j'ai dormi sous la pluie, par terre, dans la merde. Et quand je dis la merde, c'est vraiment la merde, dans la mesure où il y a même le sol, sans grouchine, sans protection, tout nu, et pieds nus, même. Sous une pluie battante, comme on ne peut pas croire. C'est pas des vies de blanc-bec, c'est des vies de chien. Mais avec, je dirais, beaucoup de grandeur. On n'était pas des Tarzan. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les Français, en pénétrant dans cette haute région du Tonkin, se sont heurtés à la piraterie endémique et les Français ont ramené la paix. Voilà. C'était le grand mérite hein, de ces officiers qui, dans le sillage de Lyautey, se sont retrouvés chefs de cercle, chefs de poste. Et petit à petit, dans ces contrées, ont ramené la paix et ont permis à toutes ces populations d'agriculteurs, d'éleveurs, de retrouver des conditions de travail et d'existence normales. Et ça, c'était, je crois, le grand apport de la France dans ces régions périphériques du Tonkin, très reculées, qui jusque-là n'avaient jamais connu de période de paix excédant quelques années. Là, enfin,
toutes ces populations très bigarrées pouvaient retrouver des conditions de vie décentes, puisqu'on a ramené la paix, mais on a bien évidemment en même temps développé l'instruction, les conditions sanitaires, le commerce, les communications. Tout ça, c'est l'œuvre de la France dans le Haut-Tonkin, et ces populations autochtones, je crois, nous ont été très reconnaissantes de cet apport, et tout de suite ont entretenu avec les chefs de poste d'excellents contacts, et très rapidement d'ailleurs se sont engagées, elles aussi, dans la défense, dans l'autodéfense de leur secteur. Pourquoi non-nous nous ont fait confiance? Eh bien, ils nous ont fait confiance parce qu'on les a traités. On les a traités humainement. Je pense qu'on a su les comprendre. Mais ces gens-là, bon, la France, non, ils ne connaissaient pas la France, c'était nous qu'ils connaissaient. Hein. Ils se battaient pour nous. Hein. Alors on n'avait pas le droit de les décevoir. Hein. Et on se prend au jeu. Vous devenez militaire, vous devenez diplomate, vous devenez un peu tout ça, vous devenez le juge, tout, quoi. Hein. Alors, c'est presque une drogue, c'est presque une drogue. Donc vous n'avez pas le droit de décevoir vos gens. Et puis moi, la plus grande, comment dirais-je, le plus grand compliment qu'on m'a fait, on m'a dit, toi t'es un blanc mais tu penses comme les jaunes. Les Nung, comme chacun sait, c'est un peuple d'origine chinoise qui a migré là dans les... à peu près il y a un ou deux siècles en fait. Hein. Donc ils sont plus chinois que vietnamiens. Hein. Nous avions ces villageois que nous utilisions comme troupes pour faire des actions offensives, alors que par principe, un villageois armé défend son village. Or déjà, ça dénote une certaine confiance que nous avions dans cette population, hein, que nous utilisions en fait comme des militaires dans toute acceptation du terme. Bon. Vous dire que c'était des grands guerriers, non, disons que c'était au début des ce qu'on pourrait appeler des porteurs d'armes. Hein. Mais petit à petit, on arrivait à en faire quand même des militaires à peu près corrects. Hein. Je parle des partisans, hein. Je ne parle pas de ceux qui étaient en poste normalement et qui étaient sous contrat. Parce que ces partisans... étaient pratiquement pas payés. Hein. Disons qu'ils avaient là. Ils étaient très heureux d'avoir une arme. Hein. C'est un petit peu des descendants des pavillons noirs. Alors, le partisan, le salaire, bon, il avait déjà une possibilité de partir quand il le voulait. C'est-à-dire, il laissait son fusil et il s'en allait. Donc, il n'était pas sous contrat. N'étant pas sous contrat, il avait une solde de misère. Pourquoi ils ont pris parti pour nous? C'est un petit peu pour prendre la revanche sur les Vietnamiens. Bon, les Vietnamiens, chacun sait, ont occupé les plaines, ils ont repoussé les Tho, les Kelto ont repoussé les Nung ont repoussé les Meo qui se sont retrouvés en haut. Hein. Bon, alors pour toutes ces minorités, c'était... pour nous, c'était l'occasion, on a joué là, un petit peu la division, hein, et... Ça nous a été fort utile, hein. Et pour eux, c'était un petit peu la revanche. C'était la revanche un petit peu du monde rural sur les citadins, hein. Parce que, bon, le Nung par lui-même, c'est un... ce sont des cultivateurs, hein, par rapport au Méo. Hein. C'est pas du tout le même état d'esprit, c'est pas du tout le même mode de vie. Ce sont des cultivateurs, le moindre petit bout de terrain, ah, il est exploité. Tout le monde était combattant. C'est-à-dire que c'est le fusil qui faisait le combattant. C'est-à-dire que ben, nous, on donnait tant d'armes. Il y avait tant de garçons, il y avait 30 armes, 30 garçons dans... qui étaient volontaires, qu'on avait récupérés. On donnait au chef du village 30 armes. Un radio, et puis un interprète. C'était très tribal, c'est la tribu, c'était pas... Il n'y avait pas de nation en définitive, c'était une race spéciale qui se reconnaissait par le langage,
Et encore, tous les Méo ne parlaient pas le même langage, de même que les Laotiens ne parlaient pas le Méo, et inversement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer les gens, surtout d'état-major, et en France les civils, imaginer que nous avions des rapports communs. Il n'y avait pas de route, il n'y avait pas de chemin de fer, il n'y avait pas de force. Il n'y avait pas de force nationale, c'était une force tribale. Alors l'origine des maquis remonte à l'année 50. À cette époque-là, les communistes arrivent à la frontière du Vietnam, les communistes chinois, bien évidemment, les troupes de Mao Tse-Tung arrivent à la frontière du Vietnam. Le Viet Minh se renforce de son côté de plus en plus. Du côté de Cao Bang, c'est le drame, bien évidemment, de la RC4. Et le commandement français est amené à décider de l'abandon de tous les postes le long de la frontière de Chine. Et on assiste à partir de ce moment-là à la rétractation, en quelque sorte, du dispositif français à partir de la frontière de Chine sur les bords du delta du Tonkin. Donc rétractation et évacuation de tous ces postes de la frontière de Chine en direction du delta du fleuve Rouge pour, selon l'expression de l'époque, préserver au moins le delta utile, le Vietnam utile, c'est-à-dire le Vietnam de la plaine et des rizières. Donc les troupes françaises abandonnent la haute région et notamment le capitaine de Bazin, qui commandait le poste de Hoang Su Phi, reçoit l'ordre de rejoindre Lao Cai. De Bazin se rebiffe, tout d'abord, comprend que, malgré tout, il sera tôt ou tard obligé d'abandonner ses populations, avec lesquelles il entretient des contacts très étroits et très chaleureux, et ces populations elles-mêmes qui ne comprennent pas le départ des Français et qui s'opposent elles-mêmes au départ des Français. De Bazin aura l'intelligence et la présence d'esprit, avant de quitter Hoang Su Phi et avant de se replier, de tout mettre en œuvre pour créer un embryon d'organisation de résistance. Il va laisser derrière lui des chefs formés, des chefs autochtones formés. Il va laisser derrière lui toute une organisation de renseignement, de résistance, et il va laisser à ces populations un certain nombre d'armes et aussi, bien évidemment, quelques tonnes de munitions. Si bien qu'au départ, des Français, de manière immédiate et parfaitement spontanée, toute la population de cette région va se mettre en autodéfense. Maki Kodebri, Ekrong, Ekalama, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. นอนมามันแม่นอยู่ทางเมืองเดียนเป็นผู้ทางหนึ่งลงมาหน่อยทางหนึ่งไปดินลาวเมืองลำโลฝงมากี่คนเรียนดีเอกรุงกับกระดามมาเนี่ยแม่นมาเมืองป่าปูเดี๋ยวมีหลายเผาฟัน mèo xả tay nham nặn mân phật cửa ngắm hót cán cấu té phật tay dân bốc khong vừa hiện phật tay bốc khong cỏ lại xính ăn mi ăn đi đều mi điện biên khẩn mát đeo nị xuân ma khư sau và bẩm phật cấu bang phật cấu sau chấp cúm phù hủ phù lắc bày khả xẻ đại côn đều cắp sau chấp cúm ấu bày lắc cầm bày cây xẻ xe nàn phở đen ba giạt của mi
มีมาหาเฮายันมากีน่ะครอบครัวเฮาบ้านเราของเราเฮ็ดนั่นเฮาแปลว่าเป็นผู้มีบิ่นมิงแล้วเฮาเชื่อว่าเฮาเป็นผู้เฮาเพราะรู้สมมุติน้ำเฮานั่นดิการจักตั้งได้กองมากีแล้วบิ่นมิงบ่อยู่บ่อยู่ใดหรอกดอนว่าเฮาก็อิงซะเย็นแต่ว่าเฮาก็อิงซะเย็นได้เย็นมาเฮาดอกก็เฮาก็อยู่ปานใดเฮาก็ดีไปบ่อนอื่นแต่ว่าเฮาก็ชอบมีที่สถานก็เบิ่งพวกทหารท้องถิ่นที่เขาบ่ตีได้เฮานั่นเฮาก็ยอมถอยไปแต่ว่าเฮามีของทัพยาวหลวงของเ
mais c'est le chef et le parti seulement. เอาคันแก้บเขาแก้บเขาเมื่อวัดอยู่ป่าอยู่ปูแล้วการไปมาที่ต่อก็ตั้งเสบินมาพวกเขาพวกน้ำเผากินตัวไปเดี๋ยวก็ไปเอาเขาให้ลายตอนนั้นเถอะย้ำนั่นนะเดินเย็นไปนั่นนะเป็นมิงก็บ่ต้องการว่าสอกแก้อะไรเจอสอกพิจารณาเถอะเสียนั่นที่มีสิงเดียวเลยสอกแก้สอกขาบีซ่าเย็ดหาเฮาเย็ดหามากีของเฮาตอนนั้นนะแต่อาเอ็มน้องนุ่งสอกพิจารณาเถอะแต่ว่าพวกนี้ไม่มาทำเฮาเราสอกก็บ่ขึ้นไปไรแล้วก็พายุน้ำเฮาเท่าของป้าของหลวงน้
une résistance s'était créée dans les montagnes face au Viet Minh. Et à son grand étonnement, il s'est rendu compte que cette résistance était en pleine expansion. Il a été décidé de reprendre contact avec ces organisations de résistance purement autochtones à ce moment-là, de telle sorte que la France puisse les soutenir, les appuyer, en leur envoyant d'une part de l'armement, des munitions, en assurant aussi la subsistance des populations par du ravitaillement en vivres, en sel, par des parachutages, et en mettant en place aussi, le long de la frontière de Chine, un certain nombre de postes radio, de manière à avoir le renseignement et à coordonner l'action. Et c'est comme ça que, en 1951, le contact a été repris avec Cho Kuan-lo. En 1951, le Viet Minh et les Chinois ont mené une première action sérieuse pour contrecarrer l'action de Cho Kuan-lo et de ses maquis. Parmi les chefs de la résistance, il faut savoir que Cho Kuan-lo était une des figures les plus éminentes, mais il n'était pas le seul. Il faut aussi citer Lo Van Teu. Lo Van Teu qui était une notabilité dans la haute région, Lo Van Teu qui a été replié à Hanoï pendant un temps, mais qui était un des pivots aussi de l'organisation de cette résistance. Il faut citer aussi un certain nombre de chefs comme Aung Sao Lung, qui menait la résistance dans la région de Sin Makai. Et le Viet Minh s'est tout de suite trouvé complètement dépassé par cette résistance armée qu'il ne soupçonnait au départ absolument pas. Pour le Viet Minh, il était inconcevable de voir des peuples de la montagne refuser l'idéologie communiste et s'opposer à lui. Et le Viet Minh, ne pouvant à lui seul venir à bout de cette résistance, a bien évidemment fait appel aux grands frères chinois et aux Chinois communistes. หานก็วิ่งเรียนหนังไปดีจังเมเยียดบ้านแล้วเห็นเบียดบินขึ้นเมื่อเรียนบูจักบ่าพอดีพอร้ายเรียนเบาใจใส่เนื้อหูจักบ่าที่สัญญาสัตย์ยุติยิงแล้วนั่นคือแปลว่าเม็ดเม็ดแบบไม่มีความจีบเบาแล้วพอจักจีบ้านแล้วเสียใจจีบ่า มีใจอยู่แต่เย็นไปไหนแล้วหักชาติอยู่แต่ว่าสองจอมือเท่านั้นแหละเพื่อสร้างนั่นเองเจ้าพระมีสัญญาหาห้างนั่นเองในหูอยู่เวลานั่นฮึ่งเราคอยอ๋อจะมากี่เอเบอไปฮานอยไปต่อยคุณเจ็บบัด โอ้เสียใจหลายเวลานั้นว่าไตปลายเสียใจหลายเพราะสมคอยได้ป้าเสียบ้านเสียเมืองไม่มีผลที่จ่อยแล้วแต่ว่าก็ยังดีใจที่ว่าไตว่างแค่ยังแหละเอาสมคอยไปตั้งแก้วตักเรือสวนไหลเอามาเมืองลาวกินอยู่ นำพี่น้องเมืองลาวว่าเมืองลาวเป็นเมืองพี่น้องชุมข่อยแต่ปอแต่แม่แล้วเป่าผู้ผู้ข่อยช่องมากก็เป็นกลัวหัวเมืองขึ้นกับเมืองไต่แดเช่นนั้นรัฐบาลลาวกับปอลาวนั้นหากแปลงชุมข่อยเอาเป็นกินอยู่มากก็ดีใจวันนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องหมุนคุ้นของคนฝรั่งอันผู้นี้ไปเมืองนอนเบาๆเด้ออันผู้อยู่กลางเนี่ยนั่นคือก็ไม่ได้หูแล้วแต่แต่ว่า เสียใจเสียใจกับที่ยินได้ระดับตัวอยู่ของเอามือสาวเดียวดิของเมียนมิงเดียวดิฉะนั้นก็หาร้อนอยู่หาร้อนไปร้อนไปก่อนแล้วไปอนาคต
ที่เป็นแนวไหลจากเผาหน่อยว่าแนวไหลไหลที่กินที่อยู่น้ำเช้าเที่ยวที่คืนแนวหลังมานี่ก็คือความเบาเนี่ยจำใบสวาไหลเท่าเทียบแต่ว่าเมื่อก่อนเมืองฝรั่งอยู่นั่นเมื่อมีคนแก่เมื่อซากเถื่อมาขณะยัดที่หลังซะแล้วมีคนแก่มาอยู่เต็มคือองค์นี้ในเมื่อเคยที่เห็นละนั่งนั่งจ้าเสียเดียวบ่มีหรอกยังมีแต่ทางพระนางนี่ได้สันสุงสังหารถอยออกมาเมืองลาวฉะนั้นเซฟเซิงตั้งนี่เดียวเอาไปฮานอยเสียก่อนยังมีพึ่งพวกมากีอยู่ตั้งคนนี้เดียวเอากันบอดเราไปฮอดปีกันหาสิบสี่หาสิบหาดนักตลอดเมืองลาวเดี๋ยวเมืองลาวนั่นได้พระไตรครับตอนพวกมากีจีเดือไว้นะเดี๋ยวจีมาก้างอยู่หลังเมืองนั่นมาเย็นมากีเช่าเก่าบ่มีว่าบ่มีร่วงตั้งแล้ววันหนึ่งไหนแล้วเดี๋ยวนี้จีมาดีกว่าบ่ได้จีว่าให้กว่าให้บ่ได้สอจีว่าเจ็ดปีก่อนที่คอยได้เบิ้งนั่นเดวียงแล้วว่ามีเผาไตอยู่คนเผาน้อยอยู่หนังเบื้องใต้การเมืองกลางของเมืองเวียดนามเอิ้นว่าไตเงือนมันมีถวัดปริกูโกคุมดารัดตื่นฮือขึ้นหลายพันคนหลายสิบพันคนลงกลางปลาท่วงรัฐบาลว่าเฮียเอาคนแก้วขึ้นเมื่อเอาดินเอาร้อนทอเม็ดเช่นนั้นสับสองห้ากินห้ายูห้าแตงห้าลาเดียวขึ้นดินหาเสาอันนี้คือเป็นตัวอย่างที่ว่าบอนเราเกิดที่คือเดียวนั้นนะว่าเนื้อหนึ่งบอนน้อยหลายแล้วสมป้าไหลอันนี้เสาเสาขึ้นไหนขึ้นเนื้อขึ้นไหนแล้วสุดท้ายมาแล้วจากเดือนวันแก่ใครแนวเราเหยเสาเหากบุหาว่าไหนยินว่าเอาฝนหนึ่งคนไตจื้อตานโดนนุ่งแปลงกันบ้าเป็นประมีเซกเตอร์เดปักตีคอมมิวนิสต์อันนี้อาจารย์ที่เอาเจ้าเผาน้อยก็มีเมื่อว่าเผาน้อยนี่มีความเครียดแค้นแล้วมีสุดโต่เสียใจเจ็บใจทรมานบ่มีความคิดว่าว่าสมคอยคอยมานี่คอยมาด้วยความบ่มีผ่าหูบ่มีผ่าเห็นเดี๋ยวคอยใบด้วยความมือเป่าๆคนชื่อลำสาสามัญคือคนปอกกล้าไปขายตกมาเมืองฝรั่งนี่ตอนนั้นเดี๋ยวผมยังอยู่นั่นก็คือเดียวกันทึกเช้าเดี๋ยวละเดี๋ยวหนึ่งก็นั่นชวนคอยเฮ้ยคอยเสียใจเจ็บใจแล้วก็ไม่มีความที่บอกละ lorsque la France en 54 a en quelque sorte définitivement abandonné toutes ces populations montagnardes. Cela a constitué pour elles un véritable drame, car elles avaient placé toute leur confiance dans la France, tout en sachant aussi que la présence française ne pourrait pas perdurer. Mais la situation pour ces populations a été dramatique. Elle a été dramatique aussi pour un certain nombre de notables qui s'étaient engagés auprès de la France. Parmi tous ces notables, parmi aussi tous ces partisans qui avaient pris les armes aux côtés des Français, certains se sont cachés, ont tenu à rester sur place auprès de leurs administrés, auprès de leurs familles. Beaucoup aussi ont pu se replier à Hanoï dans un premier temps. Et le but des Français, bien évidemment, était de soustraire aux Viet Minh toutes les familles les plus compromises avec les maquis et avec les Français. Moi, j'ai dit que c'est un crime contre l'humanité que d'avoir abandonné tous ces peuples qui n'attendaient qu'une chose, c'est qu'on les défende contre une infime minorité de salauds, hein, dont les Viet, dont tous ces gens qui se disaient des révolutionnaires, mais pilotés par les communistes, parce que les communistes ont joué un grand rôle. Et nos dirigeants, ils ont cru que jouer communiste, c'était l'avenir.
Malgré l'abandon, l'armée française honore toujours ses anciens compagnons d'armes. Pour preuve, la promotion Owan Chunzim, compagnon de Cho Kwan Lo, à l'école militaire de Saint-Mexan en novembre 2006, rappelle les hauts faits d'armes d'un ancien chef de maquis à toute une génération de futurs sous-officiers. Mais savent-ils que dans l'ancienne Indochine, les descendants des maquisards se battent toujours contre les États qui ont programmé leur extermination, sous le regard indifférent des pays occidentaux, malgré les appels désespérés de ces hommes. Ce que je voudrais dire, c'est que c'est un magnifique exemple d'un jeune qui a rejoint les forces françaises pour partager avec elles le combat pour la liberté, la fraternité, et ça, je trouve ça absolument splendide. Et ce que je trouve admirable, c'est que ce sous-officier, dont vous avez, je pense, entendu des états de service exceptionnels, a combattu contre les Japonais, contre les Viet Minh, et a continué en France, au sein des forces françaises, alors qu'au départ, il n'était pas français. Je ne suis pas convaincu que tous les jeunes sous-officiers, en tout cas les élèves sous-officiers, soient parfaitement informés sur les combats que conduisent les méo, en particulier, aujourd'hui encore contre le communisme, dans ces pays. Je pense que s'ils les connaissaient bien, ils seraient assez admiratifs de la persistance de ce combat qui dure depuis plus de 50 ans. Pour ma part, je tenais à en témoigner, je suis particulièrement ému ce soir d'être là, parce que j'ai vécu dans ces pays. Il se trouve que j'ai vécu au Vietnam, au Cambodge et surtout au Laos, et que j'ai rencontré les méo, donc je les connais un peu. Et je connais ce peuple montagnard, rustique et particulièrement résistant. Ce sont de magnifiques combattants.